je n'ai plus jamais, jamais, jamais plus de bonbons de ma vie. Bonjour monsieur, je vais vous voir parce que j'ai super méga giga mal au ventre. Et on m'a conseillé d'y aller à l'hôpital. Très bien, est-ce que vous avez pris rendez-vous? Non. Je regarde, attendez. Ça tombe bien, porte 6, juste derrière mon bureau, vous verrez, il n'y a plus personne. La patiente est partie ce matin. Merci. J'arrive tout de suite. C'est ça ma chambre? Mais c'est une chambre de bébé? Mais ils m'ont pris pour un enfant de 6 mois ou c'est comment? Mais qu'est-ce que je vais faire là? En plus je vais m'ennuyer. Et en plus je crois que je vais rester longtemps. 11h15 déjà, bon je vais aller voir ma nouvelle patiente. Ah bonjour, vous êtes là enfin? Oui, alors je vais voir ce que vous avez. Depuis combien de temps vous êtes malade? Depuis hier, donc ce n'est pas... Je vérifie pas de fièvre. Ouvrez la bouche. Oh! Ah bah oui, je vois des caries. Le ventre, ouvrez encore la bouche. Dites ah. Ah. Oh, je sens plein de fraises tagada. Mais vous avez mangé plein de bonbons. Non, pas du tout. Mais si, j'ai trouvé. Donc, je réfléchis, mon diagnostic. Vous allez rester quelques jours ici. Oh. On va faire un petit régime alimentaire. Oh, mais je ne peux pas rester un jour sans manger. Trop de sucre, ce n'est pas bon pour la santé. Il faut manger un petit peu. Mais... Les glucides, c'est bon, mais pas en trop grande quantité. Mais comment je vais faire? Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de ça. Un bon petit régime alimentaire fera du bien. Bon, je vais vous laisser tranquille. Vous allez vous reposer. Vous avez droit à des visites, mais... Pour chaque personne, une seule fois. Vous avez bien retenu. Oui, j'ai bien retenu. Chaque personne a le droit de venir vous voir une seule fois. C'est quelques jours, ce n'est pas longtemps. On ne veut pas trop de monde à l'hôpital. D'accord. Très bien. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh non. Je sais, je vais appeler Sana. Bon, c'est parti, je vais appeler Sana. Allez, réponds Sana. Faut vite qu'elle réponde, vite. J'espère... Coucou Sana. Salut. J'ai une super mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Bah en fait le truc c'est que je suis à l'hôpital. Comment ça t'es à l'hôpital? T'as fait quoi pour être à l'hôpital? Bah il paraît que j'ai mangé trop de bonbons. Mais par contre Sana vient me ramener mais plein de bonbons. Mais faut pas qu'il le voit parce que je dois faire un régime. T'inquiète Lina, je gère la situation, tu peux compter sur moi. Ok, à tout à l'heure. Yo la famille, c'est Sana, j'espère que vous allez bien. Donc en fait Lina m'a appelée, comme vous le savez, elle est à l'hôpital. La pauvre Lina, parce qu'elle a mangé trop de bonbons. Et Lina m'a dit qu'il fallait que je trouve une solution pour que je lui amène des bonbons. Mais en plus, à ce qu'il paraît, bah il y a le monsieur l'hôpital là, il va me demander de montrer ce que je lui apporte. Donc j'ai trouvé des petites cachettes pour lui cacher les bonbons que je vais lui apporter. Et en plus après je me déguiserai pour faire semblant qu'il y a plusieurs personnes. Et ouais, j'ai des idées de génie. Donc on va lui amener de l'eau pétillante comme ça avec, donc c'est de l'eau pétillante à la fraise. Mais si je l'ouvre, voilà, et que je mets dans un verre, on dirait totalement que c'est de l'eau. Le docteur il va pas se dire que c'est de l'eau aromatisée à la fraise. Bon, comme j'ai jamais goûté, pour l'occasion, je goûte. Pas mal, pas mal. Je sais pas si vous savez, mais maintenant, c'est la mode des fruits aux légumes. Et donc, du coup, je vais dire que c'est super, super bon pour la santé au docteur et il va le croire. Je vais bien sûr pas laisser ces fruits dans l'emballage comme ça, parce qu'on voit que c'est de la marque de bonbons, mais je vais les mettre dans ce petit emballage de fruits. Hop, j'ouvre ça. Wow. Bon, ils ont mis du faux ketchup sur les frites, mais c'est beaucoup trop cramé. Je le mange pour moi. Hop, je mets les frites. Hop. Heureusement que j'ai pris deux paquets, comme ça, ça va être bien rempli pour Lina. Et voilà, les petites frites aux légumes. Bon, je lui en pique une, hein, on va même pas remarquer. Pour les médicaments, j'ai trouvé, regardez. Regardez pour la pastille Vichy. Vous trouvez pas? On dirait grave des médicaments. Mamma mia, voici son médicament pour le matin. Et maintenant, on passe au médicament du soir. Et pour les médicaments du soir, j'hésite tellement à lui mettre soit ceux à la cerise ou soit les pèses à la fraise. Mais comme ils sont de la même couleur, j'en mets un de chaque, ça va même pas se remarquer. Regardez le médicament du matin et les médicaments du soir. Pff, Sana, elle est vraiment longue, là j'ai faim. Bonjour. Bonjour.
Excusez-moi de vous déranger, je sais qu'on peut avoir des visites et j'aimerais bien voir ma petite sœur Lina qui est à l'hôpital. Mais on fournit les repas. Non, mais en fait elle est allergique à énormément de choses. Mais vous lui avez amené... Mais c'est des frites. Mais non, c'est des frites aux légumes, vous savez pas la grosse mode qui tourne. Ah oui, j'ai entendu parler, mais moi les fast-food c'est pas bon pour la santé. Je sais, mais bon, les frites aux légumes c'est mieux que rien. Des... C'est quoi ça? Ça c'est des médicaments. Ah, c'est des médicaments qu'elle a. Vous connaissez déjà le traitement que je vais lui imposer? Non, mais c'est son traitement à elle qu'elle prend chez nous. D'accord. Et puis ici, c'est de l'eau, bah logique. Elle a besoin de boire pour s'hydrater. Et du coup, c'est où que je peux aller la voir? Quelle chambre? Après tout, pourquoi pas. Juste derrière, la porte 6. Ok, merci. Derrière mon bureau. Ok. Hey Lina! Enfin Zana! Ouais, ça va? Alors, donc du coup, je t'ai amené des frites. Bonbon. Et en fait j'ai dit que c'était des frites aux légumes et il m'a cru. Je t'ai amené, alors juste goûte, tu vas de voir. De l'eau. Ouais, de l'eau. C'est trop bon, c'est une boisson. Mais oui, et on dirait grave de l'eau. Et là je t'ai pris une pastille, donc Pastille. Ouais. Oh mais merci, elle dépèse. Grave. Bon, Lina, maintenant je te laisse ça. Prends-les et mets-les sur l'étagère parce que là je dois y aller et faut qu'on s'organise pour que j'ai une super bonne idée. Tiens, passe-moi le paquet de mouchoirs. Pourquoi? T'inquiète pas, j'ai des jeans. Tu me laisses les frites? Ouais, je te laisse les frites. À tout à l'heure, Lina. À tout à l'heure, parce que j'ai bien me régalé. Ouais, bonne chance, hein. Au revoir, docteur. Au revoir. Bon, il faut que je me méfie maintenant. Je n'ai pas trop confiance avec cette histoire de frites aux légumes. Je n'y crois pas trop. La famille, je viens enfin de rentrer chez moi et j'ai une super bonne idée avec ce chapeau. Voilà. Ces grosses lunettes, tac, et puis ce masque, vous me reconnaissez pas, on sait pas que je suis Sana. Alors la famille, pour la première astuce, je vais mettre dans mon chapeau, voilà, je vais mettre ce Kinder Country ni vu ni connu. Et la famille, j'ai également pris deux petits pots de Nutella, ils sont vraiment minuscules, et je vais les mettre dans la boîte à mouchoirs que j'ai empruntée de la chambre à Lina. Boum! Et la famille, pour le plat principal, j'ai pris des pâtes chinoises, mais c'est pas des pâtes chinoises normales, c'est des pâtes chinoises en bonbons! Regardez-moi ça! Ça a l'air d'être trop bon! Waouh! Voilà! Oh, y a plein de bonbons! Là, j'ai vraiment prévu la quantité. Regardez-moi ces pâtes, elles ont l'air d'être trop bonnes! Et bien entendu, je mélange les légumes avec les nouilles. J'ai également pensé à des fruits, enfin des fruits entre guillemets. Et voici les mûres et les framboises. On mélange le tout. Et puis j'ai failli oublier un truc exceptionnel. La chambre de Lina, on est d'accord, elle est un peu vide. J'ai pris un petit poster, mais c'est pas un poster ordinaire parce que c'est une feuille qui se mange. Regardez le poster de Lina, il se mange. Et avec tout ça, je pense que Lina aura son ventre bien rempli pour une bonne heure. Allez, c'est parti, ma discretos. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Edouard et je viens rendre visite à ma petite cousine. Passez vite, s'il vous plaît. Vous montrez. Très bien. C'est quoi alors, ça? C'est des pâtes chinoises. Des pâtes chinoises. D'accord, je valide. Ensuite, ici, j'ai des bonnes petites myrtilles et des mûres. Ça sent trop la framboise et des mûres. J'adore ça. Oui. Elle a beaucoup de chance, votre petite cousine. Ici, un petit poster. Ah, un petit poster. Bon, je n'ai rien contre. Mais ici, des mouchoirs, mais elle en a, je crois, mais c'est pas grave, vous pouvez ramener plus de mouchoirs, il y en a. Elle est enrhumée ces temps-ci. Oui, d'accord. Très bien, bon, après tout. Au revoir. Hey, comment vas-tu? Mais vous êtes qui? Tu m'as pas reconnu? Ah, c'est toi, Sana? Eh ouais, tac, hop, boum. Bravo. Pour commencer, je te donne des nouilles chinoises accompagnées de ces petits légumes et bien sûr. Hélène, merci. Je vais bien me régaler. C'est trop trop bon. Et pour le dessert, des mûres et des framboises. Trop bien. Les fruits, c'est bon pour la santé, mais bon, pas trop un bonbon. Et puis, si t'as un petit creux, dans cette petite boîte de mouchoirs se trouvent des pots de Nutella minuscules. En plus, il y en a deux, donc tu pourras bien te régaler.
je vais faire comme ça. Je compte sur toi du coup pour les cacher derrière cette petite plante. Ils vont être ni vus, ni connus. Je vais bien me régaler, hein. Cache-les bien. Oui, t'inquiète pas. Hé, ta chambre est très triste. J'ai peur. Bah oui, je sais, hein. Donc, j'ai tout pensé. Regarde mais un poster. Sana, je vais pas prendre ça. Pourquoi tu manges? Il est mangeable. Mais oui. Trop merci. Bon. Hey, moi aussi, j'ai envie de manger. Délicieux. Bonjour. Ça bonjour. Très bien. Vous venez faire quoi? Je viens regarder si tout se passe bien, mais vous êtes encore ici, vous? Oui, je l'accompagne parce que j'aime pas manger toute seule. Ah, tchoum. Je veux bien, mais il faut pas trop traîner. Oui. Ça a l'air très bon ce oui, que vous mangez là. Oui, c'est délicieux. Mais ça sent encore plus les bonbons, mais... Ah bon? Moi, c'est pas possible. Ah, mais c'est normal, t'as mis un parfum de bonbons tout à l'heure. Ah oui, j'ai mis un parfum au goût de bonbons, ouais. Mais vous avez la même voix que votre cousine, ou je sais plus, tout à l'heure j'ai une personne... Moi j'ai pas la même voix que ma cousine, moi. Pas du tout. Oui. Donc, pardon, oui, les fruits, c'est bon. Oui. Ils sont bons, pour la santé. Oui, bah, très bien. C'est logique, enfin. Très bien. Bon, ça se passe bien. Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez nous laisser? On est en. Vous, oui, il va être l'heure de partir. Oui, je vais partir. Je lui bon. Dis juste au revoir. Je m'en vais, je reviens. Oui. Par contre, vous. Oui. Alors, Sana. On a échappé belle. Avant que le docteur revienne, Lina, je oui. vais partir. Faut vite que et tu donc, partes. Du coup, tu dois te redéguiser, du coup. Oui, je dois me redéguiser. T'as tout ce qu'il faut, t'as tes lunettes. Mes lunettes, j'avais pas de truc. Un masque, ah oui, le masque, il est où? Ouais, et puis je vais y aller. Il faut que je change de voix, que j'achète des nouveaux bonbons et que je me déguise en une autre personne. Ouais. Bon, bah, bonne chance. Ne te fais surtout merci. Pas cramer. C'est oui, t'as oui. des bonbons. J'ai okay. jamais regardé à l'intérieur. Ok, imagine. À toutes. À toutes. Et tu me ramènes des bons bonbons, hein. T'inquiète. Au revoir, monsieur. Au revoir. Later. Wesh, les gars, ça dit quoi? Maintenant, je suis un gars, et bah ouais. Donc, la famille, donc pour le prochain repas, je vais faire semblant que ça, c'est des pailles. Je vais voir si ça ressemble à des pailles, déjà. On va ouvrir ça. Bon, alors, j'espère qu'elle va pas se casser, parce que là, il y a plein de morceaux qui partent. Oh là là. Bon, il y a un petit morceau qui vient de partir. Je sais pas, ça ressemble à une paille, vous connaissez, vous? Je vais faire semblant que ça c'est une paille, si je le montre vite fait, il va pas comprendre. Et avec ce masque, regardez ce que je vais faire. Je sais pas si vous connaissez, mais j'aime tellement ces bonbons. J'ai entouré l'élastique avec le bonbon. Et vous avez vu mon collier? Évidemment, tout le monde connaît. Et avec des Scooby-Doo qui dit porte-clés, ni vu, ni connu. Oh, ma sœur va s'ennuyer à l'hôpital. Et bien sûr, j'ai prévu du coloriage. Et regardez, si je mets ça directement à l'intérieur, la tablette de chocolat rentre pile poil. J'ai même pas besoin d'enlever les crayons. Plou. Qui va penser qu'il y a une tablette de chocolat à l'intérieur? Sérieusement. Bam, je pense que je peux y aller. Je m'ennuie. C'est quand ça arrive. En plus, les jouets ici, c'est vraiment des jeux de bébés. J'ai même pas le droit à mon téléphone. La seule chose que je peux faire, c'est manger des bonbons. Heureusement que Sana est là quand même. Bonjour. Attendez, excusez-moi. Bonjour, je viens rendre visite à Lina. Oui. Lina, oui. Et encore une personne pour Lina, mais décidément, c'est pas parce que j'ai dit qu'il fallait une seule personne différente à chaque fois, mais qu'il faut tous venir. Oui. Bon, c'est quoi que vous avez? Vérification. Oui. Pourquoi des crayons couleur? Des crayons de couleur parce que bah elle va s'occuper quand même, elle a rien à faire. Prévois ça. Et oui, d'accord, mais juste ne touchez pas s'il vous plaît monsieur, c'est super fragile. D'accord. J'ai une petite paille. Oui, pour la boisson, d'accord. Oui. Pourquoi des porte-clés? Des porte-clés, bah c'est un petit cadeau, un cadeau d'amitié. D'accord. Allez-y. Merci, dépêchez-vous. Merci. Moi. Bonjour. Salut Lina, comment vas-tu? C'est moi Lina. Non, c'est toi. Mais oui. Attends, ah, viens quoi? Silence s'il vous plaît, il y en a qui travaillent ici. Oui. Ok. Oh, merci. Alors regarde, donc du coup c'est un beau collier en bonbon. Délicieux. En plus c'est super bon, je vais le mettre quand il va pas le voir. Déjà c'est top. C'est quoi ce truc? Alors là c'est une mode, tu vois, on fait style que c'est une paille, mais bon, vous avez compris. Silence. Quoi?
Oui. Il fait trop peur. Je vais goûter. C'est bon? Goûte. Non. Ensuite, tu vois, j'avais caché un bonbon, un petit bonbon là. Voilà, tiens. Et en plus, je t'ai pris des crayons de couleur. Ah, mais c'est trop nul. Ouais. Des crayons de couleur, pas comme les autres. Parce que quand tu les ouvres, il y a une tablette de chocolat Milka. Trop bien. Et puis regarde, des bons petits. Ah, ils sont trop bien. Merci, je vais le mettre là. De rien, tu les mets. Je vais l'accrocher sur. Mais non, mais c'est manger. Silence! Il est chelou, wesh. Grave. Ah, c'est trop bon. Ouais, et moi, je vais pas trop tarder parce que sinon. À tout à l'heure, les gars. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, wesh. Ouais, grave. Allez, chut, maintenant. Au revoir. Au revoir. A few moments later. Boum! La famille, ça commence à être super improvisé parce que, en fait, je viens de penser, je vais pas me déguiser, je vais juste demander un renseignement au docteur. Et sur la table du docteur se trouve une boîte avec des masques. Et donc, du coup, dans sa boîte à masques, je vais y mettre ce petit paquet de MLM's. J'espère qu'il va pas voir que je vais mettre ça. Et ensuite, Lina va devoir venir discrètement au bureau du docteur, essayer de prendre le paquet des MLM's qui est dans la boîte à masques. Ouais, c'est pas logique ce que je fais. Mais bon, j'espère que ça va être utile pour Lina parce que je sens qu'elle a envie de petits chocolats. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. C'est moi encore. C'était pour vous demander des informations super importantes. Mais c'est qu'une visite par jour. Non, mais en fait, c'est pas le truc, c'est que... Il y a toute la famille, là, ou je ne sais quoi. Je ne sais pas d'où ils débarquent. Je sais pas. En fait, le truc, c'est que c'était pour vous demander... est-ce qu'il y a des glucoses dans... voilà. Qu'est-ce que vous faites? Non, je vais regarder parce que il y a une petite poussière là. Voilà, il y a une petite trace, c'est pour ça. Okay, oui, moi. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir ma soeur ou pas? Vous avez que une minute. Une minute, ok, c'est parti. J'ai pris des... Tu vois, dans la boîte à masques du docteur, oui. J'ai mis un paquet d'MLM's. Ah bon? Oui, donc à toi de faire un truc. Et ensuite, après, je vais me redéguiser, je vais mettre une perruque, ça y est. Je prends des nouveaux bonbons, je fais genre que c'est pas des bonbons. Ok. Donc, merci, ça m'a fait. Mais quand t'as sur toi? Mais en fait, j'ai menti, mais je compte sur toi. Ah oui, vous allez tomber, je compte sur toi. D'accord, je compte sur toi. Mais t'inquiète pas. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Je vais bien la voir. On verra bien qui rira le dernier. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais savoir parce que. Du coup, est-ce que mon ventre il va mieux ou je sais pas, quelque chose comme ça. Il va très bien votre ventre. Oui, vous êtes sûr? Oui. Oui. Pourquoi vous rigolez? Vous avez oublié de mettre votre masque. Vous pouvez y aller. Allez-y. Et... Mais il est trop bête, j'ai même pas vu que j'avais pris des MLM's. Par contre c'est bizarre, elle rigolait, mais ça je m'en fiche. Mais Sana, elle a trop des bonnes idées en fait. Jenny, mais que dans les idées hein. Je vais à l'hôtel. Monsieur? Oui. Je viens à l'hôtel. Oui, allez-y, je vous en prie. Tout au fond du couloir à gauche. Ok, merci. C'est le moment, vérification. Doucement, doucement, doucement. Oh, elle n'a même pas caché ses M&M's. Vous trouvez ça normal? M&M's. Quoi? À l'intérieur, du chocolat, c'est pas se moquer du monde. Contrôle. Voilà ce que je trouve, des petits pots de Nutella. Les fameux légumes. Oui, la mode des légumes, je ne sais quoi, bien sûr, que des bonbons. La paille en chocolat, elle est moitié croquée dedans, elle a complètement mangé la paille. Les fruits, mais oui, des bonbons. Les pâtes chinoises, bien sûr, des bonbons. Les légumes, des bonbons. Le porte-clés, des bonbons. Le médicament, des pastilles Vichy, des bonbons. La boisson. Sucré, évidemment, goût fraise, oui. Elle m'a bien eu, mais je vais les avoir. Vite, vite, avant qu'elle revienne. Bon,
c'est bizarre. Pourquoi j'avais mis ça là et le fruit? Il y en avait plus. Je sais pas, peut-être que c'était moi qui en vais en manger en partant, c'est pas grave. Bon allez, maintenant il n'y a plus qu'à attendre ça, non. Et donc voici ma perruque. Donc voilà, elle est pas ouf hein. Et je vais mettre du coup mon manteau. Voilà, si je le ferme, il va pas voir que c'est moi. Donc j'ai pris une palette de peinture. J'ai mis des chamallows. Voilà, ceux-là. J'ai également mis des malabars. Et en fait, et bah du coup, on dirait grave que c'est de la peinture. Si tu regardes vite fait, bah c'est bon, on dirait que c'est de la peinture. Donc ici, avec ce petit tube de bande au chewing-gum, et bah je vais faire style de dire que bah ma soeur s'est fait bobo. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire bobo et pas genre, j'ai pas envie de dire qu'elle s'est fait mal, mais bobo. Je vais dire ma soeur s'est fait bobo à la main. Et du coup il va dire bon, ok. Ici je vais l'ouvrir ensemble, on va l'ouvrir ensemble. Mode, c'est des manettes de PlayStation et je vais faire style que c'est pour jouer avec elle. Et ensuite là je vais me faire genre que c'est un médicament. 1 hour later. Bonjour, je viendrai rendre visite à ma petite. Oui, allez-y. Ah, vous contrôlez tout le monde ? Non, je vous fais confiance. D'accord. Je fais confiance aux gens, à n'importe qui rentre dans l'hôpital. Allez-y. Bon, bah, ok. Attends, faut que je te montre tout ce que je t'ai. Attends, alors. Attends, je vois rien. Et tu sais qu'il m'a même pas contrôlé, je comprends vraiment. Mais pourquoi il a fait? Regarde, j'ai pris une manette de PlayStation. J'en prends chocolat. Attends, Très bon. J'ai T'arrives pas? Bah je sais pas. J'ai également pris, du coup là c'est des carambars. Trop bien. Et des marshmallows. Ouais, je vais le prendre. Mais et ici, j'ai des petits trucs qui pétillent. Ah, trop bien, je vais le manger maintenant. Et ça? Allez, confiscation. C'est confisqué. Non. Allez, vous, vous sortez. Non. Voilà. Quant à vous. Oui, non. Au revoir. Vous avez gagné 3 semaines de plus à l'hôpital. Non. S'il vous plaît, pas 3 semaines de plus et mes bonbons. Mes bonbons, alors. Non. De bonbons de ma vie. De ma vie.